L'hommage des Lyonnais aux victimes de l'attentat à la rédaction de Charlie Hebdo. En cette journée de deuil national, ce sont près de 200 agents qui ont observé une minute de silence à l'hôtel de police de Montluc à midi. Des forces de l'ordre profondément touchées par les décès de deux policiers lors du drame d'hier. Naturellement, tout le monde est choqué. Toutefois, la police reste une police républicaine, reste une police toujours en activité. Et elle va être réactive naturellement face à l'émotion qui la gagne naturellement. Tout le monde est écœuré, touché, affecté par cet atroce acte qui a été commis par deux déséquilibrés. Il va falloir maintenant que les autorités de l'État prennent la mesure des moyens qui ne sont pas donnés à hauteur suffisante dans le contexte actuel. Recueillement également au lycée Ampère dans le centre de Lyon. Là, environ 1000 élèves se sont réunis dans la cour de l'établissement. Sur des panneaux, les lycéens ont exprimé spontanément leur solidarité avec les personnes touchées par l'attentat. Je crois que l'école est profondément touchée aussi de par l'atteinte aux valeurs qui sont chères fondamentales au cœur de l'école, c'est-à-dire les valeurs de la liberté d'expression, de la liberté de conscience. Près d'une dizaine de rassemblements ont eu lieu dans Lyon ce midi. Les drapeaux étaient en berne sur les bâtiments officiels.